Et salut à tous, ici Zéphol pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien les amis, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de PVP swap sur Epic Cube, voilà. Donc pour un nouvel épisode de Let's Fight, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Oula, lui c'est un fou lui, il est avec sa hache et sa popo de vitesse. Il me prend tout, ok. Pas bête le coup de la hache et de la popo de vitesse pour choper tous les coffres. Bref, donc on va aller en bas, tiens. On va aller en bas, on va jouer la stratégie, on est sur la map, je sais plus trop combien. Je sais plus trop son nom, comment elle s'appelle, mais elle est vraiment sympa cette map, j'aime bien. De PVP swap, bref, s'il y en a qui le savent dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire, voilà, ça sera noté pour la prochaine fois. La dernière fois on était sur la map Epilab, si je dis pas de bêtises. Yes, une épée, c'est cool. On est avec le kit bourrin, comme d'hab. Faudrait que je change un peu de kit, ouais c'est vrai. Mais pour le PVP, c'est vrai que le kit bourrin est vraiment sympa, ouais. Ça vous donne un peu d'avantage niveau protection. C'est pas non plus surcheaté, donc ça donne un... Ça laisse un... des chances à vos adversaires, etc. Qui eux-mêmes peuvent avoir pris le kit bourrin, mais ouais, c'est quand même un bon kit bien sympa. Sinon, il y a le kit roublard aussi qui est sympa. Alchimiste est sympa aussi. Enfin bon, tous les kits sont sympas. Non, sans deck, le kit bourrin est mon kit préféré. Bref. Ok, donc là, on a masse stuff depuis dès le début. Là, c'est cool. On a bien réussi. On a joué la sécurité. Sharpness 1, c'est nickel. On va se mettre tout ça comme il faut. J'ai déjà un Protect 2. Bah écoute, on va les mettre dans le coffre. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui vienne les chercher. Puis pour du Protect 1 ou 2, c'est pas. Ça va. Donc, on va bien vider notre stuff tout comme il faut. Voilà. On va tout bien vider comme il faut. Ça va bien, pas tarder à swapper. Dans 10 secondes, ça swap. J'aime bien avoir le stuff quand même bien rangé. Voilà. Bah écoutez, c'est cool. J'ai pas de quoi me faire cuire de fer ou quoi. Ouais, allez, c'est parti. Donc là, on va essayer de faire du kill. Ok, il y a des bonnes bottes dans le coffre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui en a encore des meilleurs, je pense. Ok, donc on est dans la map un peu naturelle et tout. Allez, c'est parti. On va rush sur les côtés, parce que c'est sur les côtés où il y a les joueurs, hein, je vous rappelle. Ils spawnent sur les côtés, si je dis pas de bêtises, mais je crois pas. Hein. Donc c'est toujours ce que je fais pour choper des joueurs, plutôt que d'aller au milieu, où il y a rien là-dedans. Il y a eu déjà des kills, et c'est pas moi, j'ai pas eu le premier kill. Je trouve pas de joueurs, c'est quoi ce délire? Elle est où l'entrée? Merde. Il faut que je trouve les joueurs là. Ah voilà, il y a un mec là. Ok, nickel. On va se balancer notre speed, voilà, pour le rattraper. Hop, j'espère que tout va bien se passer. Il nous a pas vu, c'est cool. Allez, c'est parti. Ah, bonne réaction. Bien joué. On a une sharpness 1, ça sert à rien. Bon, j'aurais pu la garder, remarque, bon, tant pis. Hop, je vide le stuff vite fait. Voilà. Et puis, on va aller continuer les kills si on trouve d'autres joueurs. Merde, non. Oh. Ok, salut. Ok, c'est bon, on a récupéré la life là. Allez, on va le rusher, c'est très moche les chauves-souris là. Je déteste les chauves-souris, voilà. Yes, c'est bon. Ma technique a fonctionné. Allez. Yes, GG. Ok, c'est bon, nickel. Non, j'ai pas trop détaillé ce que j'ai fait là, mais j'étais concentré. Ouais, putain, j'ai quand même bien joué là, je trouve. J'ai joué stratégique, etc. Bref, donc en fait là, il était au bord du vide. Du coup, je l'ai poussé avec les boules de neige qui sont enchantées knockback. Faut y penser en fait. C'est juste ça, faut y penser. C'est pas évident au début. Mais voilà, du coup, ça l'a poussé, ça lui a fait perdre un max de cœur. Et j'ai pu le finir, voilà. Donc c'est bien joué à lui quand même, il avait mis les chauves-souris, etc. C'est cool. Donc on va essayer de trouver d'autres mecs, quoi que je trouve. Je pense pas qu'il y ait d'autres joueurs dans mon swap. J'ai déjà kill deux personnes, sachant qu'il y a eu un autre kill, je crois. Il reste plus que 5 joueurs dans ma map, mais c'est cool, on a déjà fait quelques kills. Bonne petite partie, pas mal d'action. Vas-y, tu vas, GG. Ok, on va essayer de se trouver 2-3 petits coffres avant que ça swap. Oh, nice. Ouais, sympa. Oh, Fire Aspect. Ah oui, ça c'est les trucs... Trop bien de la mort qui tue, on va se la mettre là. Elle a un coup en fait. Elle craque au bout d'un coup. Oh merde. Ok, bah je l'ai utilisé. Voilà. Ok, bah voilà ce que ça fait. Je l'ai utilisé sans faire exprès. Putain, lui il m'a rush. Hey, il était dans les souterrains. Putain, j'avais vu personne. Heureusement que j'avais ça. Hein. Ok, donc voilà la sharpness 5, Fire Aspect 1 qui fout votre adversaire très bas en vie d'un seul coup, en un coup. En fait, il faut juste penser à switcher d'épée rapidement, vous le frappez et direct vous switchez d'épée. Sachant qu'il y a des petits lags des fois, donc
Donc voilà. Ah, stop final, c'est parti. Allez, voilà, go. Alors, hop, on se prend ça, ça, voilà. Hop, donc, j'espère que ça va bien se passer. On a pas mal de têtes, faut dire. On va enchanter notre arc. Power 1, nickel. C'est parti, on n'oublie pas de sauter le nombre de fois quand j'ai commencé Epicube où je suis mort à cause de ça, j'ai ragé. C'est chiant, après une bonne partie de mourir à cause de ça, c'est vrai. Donc, il y a pas trop de joueurs par là, j'imagine. Bon, je prends pas trop les coffres. Ce que je veux, moi, c'est faire du kill, pas prendre les coffres. Puis bon, pas se stuffer non plus au-delà de ce qu'il faut. Le mec est là. Je vais prendre des blocs. Et hop, on va le rusher. Allez, c'est parti. Oula. Merde, merde. Ok, c'est bon. Il a activé une tête, là. Enfin, elle a activé une tête. Bien joué, bien joué. Ok, nickel. Pff, elle gère un PVP, ça va. Elle s'est bien débrouillée. Elle a pas fui, etc. C'est cool. C'est des gens comme ça que j'aime, moi. GG. Bah, écoute, ouais, GG à toi. GG à toi. Bien joué. Je garde mon seau de lait pour l'instant, puisque j'ai pas d'eau, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Donc, what the fuck? Sharpness combien? Putain, j'ai pas vu. Sharpness 7, je crois. Ouais, c'est chaud, putain. Bon, alors, les joueurs deviennent parano. C'est cool. Je vais activer toutes mes têtes. Comme ça, c'est fait. Alors, c'est parti. Lui, il nous a pas vu. Il nous a pas vu. Ah, si, il nous a vu. Je vais le frapper avec ma Sharpness 7. Putain, ça lui a enlevé 2 coeurs et demi. Bon, je sais pas si c'est hyper efficace, mais voilà. Allez, c'est parti. Une petite flèche là. Yes. Je m'entraîne pas mal à l'arc, comme je vous dis d'habitude. Aïe. Oh putain, il a une bonne épée, il est bon en PVP en plus. Je me casse. YOLO. Ça lui a pas enlevé son épée, non. Non. Oh putain, c'est passé à deux doigts là. YOLO. Yes. Allez, allez, un point de vie, s'il te plaît. Yes. Ok. Bon, bah victoire. Ah d'accord, c'était le dernier. Bon, bah GG. Super victoire à un demi-cœur. Ouais, GG. Bon, bah c'est des bons joueurs. Ils ont tous dit GG. Ouais, trop cool. Bon, bah c'est cool. Écoutez, j'espère que cette partie du swag vous aura plu, les amis. On a eu très très chaud sur la fin. Vraiment, GG au dernier. Qui avait non seulement une bonne épée, donc il m'a fait très mal. Et puis, il gérait quand même pas mal au PVP. Il m'a mis un bon petit combo. Là, c'est cool. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez bien kiffé cette game. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Let's Fight. Allez, Minecraft, allons !